attention. Attention tout le monde. Dernier point, l'affaire Casimir, comme les médias l'ont baptisé. Écoutez, que Martin a eu raison ou non de tirer sur un noir, c'est pas à nous de juger. Il y a une enquête de la Sûreté du Québec qui va nous dire. En attendant, j'ai pas besoin de vous dire qu'il va falloir être très cocheux dans nos relations avec la communauté noire. Ça, écoutez, ça veut pas dire qu'il va se fermer les yeux si une infraction est commise, hein? Nos chers amis, les journalistes, avec toute la subtilité qu'on leur connaît, attendent rien qu'une petite bavure de n'importe quel d'entre nous autres pour nous rentrer dedans, puis solide à part de ça. Compris? C'est des questions? Ouais. Patrouille, ah. Ouais. En bas, être noir avec un cul de même, j'aurais de la misère à dire non, moi, toi. Change de focus, Boudria. C'est un grand compliment que je fais. Ouais, mais ben laisse faire le compliment. Jasmine. Excuse-moi. Il y a une pétition qui a commencé à circuler. Les constables de tous les districts veulent appuyer Martin. Personne ne croit qu'il a fait une erreur en tirant sur Casimir. Je te dis ça pour que tu te prépares. OK? Damien Rocheteau, s'il vous plaît. Jean-Paul Vincelette. Surprend à nous voler. C'est pas vrai, j'ai rien fait! Wow! Wow! Un à la fois! Elle sort de la petite pour attirer notre attention. C'est pas vrai, sacrement, on s'en allait payer! Je m'en allais payer! Elle m'a coupé le bras avec ça! Ben oui, mais fallait bien que je me défende, si tu m'as agressé, mon petit tête à clash! OK? Un instant, monsieur, on va commencer. Exactement! Lâche-moi! C'est ça! Lâche-moi! Lâche-moi! On se calme! On se calme! Écoutez-moi une seconde, on va aller au poste, puis là, on va pouvoir s'expliquer. Non, on va pas! On passe! On ira pas! On va pas! On va discuter la porte! La fille en plus, ça va! On se calme et on s'en va au poste! Calme! Lâche ma fille, mon Dieu! T'es une rendue! Lâche ma fille! Écoute, donc, t'es-tu venue sans touriste, toi? Là, on va aller au poste okay, et on okay, se calme. Non, on y part tout seulement. Lâche ma fille. Bon, on y va. Mais lâche-la, on va y aller, Calice. On n'a rien à se reprocher. On s'explique après. Côté, il y a une estime vendue, puis toi, il y a une tête à glace, Calice. Ça fait plusieurs fois que ta mère se fait arrêter pour vol. Elle a rien volé. Je veux bien le croire, mais pour l'instant, on va être obligé de la garder. Hey, t'as pas le droit, c'est ma mère, je veux la voir. Salut. Je te présente Corinne. C'est une bonne amie à moi. Je vois ma mère! Elle travaille à la DPJ. Salut. T'as-tu des grands-parents? Des amis qui pourraient s'occuper de toi? J'ai rien que ma mère! OK, mais là, n'aie pas peur, là. On va pas te laisser toute seule, on va s'occuper de toi. Mettez-moi en prison avec elle! Corinne va t'amener dans un refuge où tu vas pouvoir manger et dormir. Tu vas voir, c'est super. Non. Ils me garderont pas longtemps. Pourquoi tu dis ça? Hey, touche-moi pas, OK? Chloé, là, ça pourra pas se passer comme ça, OK? Là, tu vas me suivre. Elle n'est pas capable de venir à bout d'une petite négresse. Je me demande bien à quoi ça va nous servir. Qui m'ont dit, sous le couvert de l'anonymat, bien entendu. Ils savent très bien qu'ils seraient congédiés s'ils disaient tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Ils m'ont raconté qu'il y avait des quartiers à Montréal où ils n'osent plus s'aventurer seuls. C'est devenu trop dangereux. Ces quartiers-là, faut pas avoir peur de le dire, c'est des quartiers qui sont habités majoritairement par des Noirs. Qu'est-ce que... Vincelette m'a appelé cet après-midi. On va parler d'une pétition qui se prépare. Tant que l'enquête de la SQ sera pas terminée, on peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Puis tant que je saurais pas ce qui s'est passé, moi, je signe rien. Oublie pas que t'es une recrue. Pendant 25 ans, tu m'en as fait manger de la police. Fait que la recrue... Fais-toi-en pas pour ta fille.
Les gars t'attendent le matin, hein? Tu sais pourquoi? J'ai une petite idée, ouais. Ce qu'ils veulent, c'est que tu signes. Tu sais, y a rien de pire que de se retrouver sur un call sans backup en qui tu peux avoir confiance. Tu comprends? Merci. Mais c'est juste une question de solidarité, hein? Je veux juste savoir de quel bord tu tiens. Il y en a quelques-uns que ta présence dérange ici. Des fois, on hésite à arrêter un noir, même rien qu'à se défendre. On a peur de se retrouver dans la merde comme Martin. Ça devient dangereux pour nous autres. On a besoin de toi. On a besoin de toi avec nous autres. C'est clair, ça? Je me mêle peut-être pas de mes affaires, mais... Pourquoi tu t'habilles toujours de même? Justement, parce que je suis noire. Pas toute la journée. Signé. Martin n'a pas été suspendu. Casimir n'avait pas à mourir. Étais-tu là? Tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ben justement. Hey, t'es la seule femme noire dans la police, puis on a besoin de ta signature. Alors, je t'ai pas pu te retrouver tout seul de ton bord. Tu vas trouver ça rough longtemps. La passer. Hey! J'accepterai aucune forme d'intimidation. Si elle a décidé de pas signer, vous allez respecter sa décision. Boudria, sur la patrouille, elle a le droit à la même coopération que tout le monde. C'est-tu clair, ça? On joue pas. On joue pas avec la sécurité. Es-tu tombé sur la tête, Martin? Casimir était même pas armé. Penses-tu que Martin pouvait prendre un risque? Il tient sa vie, lui aussi. On tient tout à notre vie. Il aurait pu se mettre à l'abri et attendre des renforts. Si Casimir avait été un blanc, ça n'aurait pas fait tant d'histoire. Si Casimir avait été un blanc, Martin n'aurait pas tiré aussi vite. Continue à faire ta smack de même, toi, tu feras pas vieux os dans la police. Si tu veux changer de partner, t'as juste à le dire. T'aurais bien de la misère à t'en trouver un autre. J'ai jamais demandé à charité à personne. La lumière est verte. Sors pour faire la rue, hein! Dès que foutre l'action, on va jamais foutre là-bas, c'est boudin. Mon cher, passé, les gens toujours à foutre mon problème. Mon cher, on met boudin là-bas. Ok? On va aller à savoir. Prends pas gaou, il fout pas boudin. Mon cher, on met boudin, ok? On met boudin. Merde! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'ennuyais. Mais t'aurais dû y penser deux fois avant de me quitter.
Un gars a le droit de se tromper. J'arrête pas de penser à toi. Je peux entrer? Je vois pas ce qu'on a à se dire de plus que 3 mois. T'as pas toujours dit que si ça marchait plus entre nous deux, qu'on pourrait au moins rester des amis. Laisse-moi entrer, s'il vous plaît. Non. Juste 2 minutes. Non. Puis comment t'aimes ça porter un uniforme? C'est pratique. Je me demande pas comment je vais m'habiller pour aller travailler. Ben, avec une tache d'avocat non plus. T'as jamais digéré que je sois à la Nicolette au lieu de passer mes examens du barreau? Non. Non, j'ai fini par comprendre. C'est peut-être toi qui as raison. Au palais de justice, il est trop tard pour faire de la prévention. C'est dans les rues que ça commence. T'as plus de courage que moi, toi. Le racisme, les préjugés, puis la violence, ça commence dans les ruelles, dans les écoles. Puis le seul moyen de s'en sortir, c'est de changer la mentalité de nos jeunes. T'as toujours le même discours. J'ai pas changé, moi. Nous, papa, chasse même pour vine imposer mes plans. Allô? Allô? Espèce de marcoute, nappe veille où? C'est la deuxième fois qu'il appelle. Bon, là, faut prévenir la police. Toi, tu dis rien. Je veux pas avoir de l'aide d'une folle en plus. Tu viens là. Allô? Ça va? Ouais, ça va, toi? Ça va pas trop mal. La petite, ça va pas très, très bien. Hey, je t'avais dit que je voulais plus avoir elle. Panique pas. Jasmine n'a rien contre toi. Elle est meurt en prison. Hé, je vais nous voir comment t'allais, Chloé. Hé, il cœur, OK? Elle n'a rien mangé depuis hier, puis au souper, elle a quasiment tout renversé. Elle devrait pas être à l'école, elle, aujourd'hui. Oh, j'ai téléphoné au directeur de l'école où elle allait. Elle y va plus depuis 6 mois. Oh. Hey, c'était une première de classe dans toutes les matières. Mais il y a eu des guerres de gang, tu sais. Il volait ses devoirs, puis il faisait des menaces. Puis en plus, ses parents viennent juste de divorcer. Ah, en plus. J'ai une idée. Quoi? Antonia devrait l'inviter à son émission. Tu sais, Chloé, là, c'est une fille intelligente, lucide, qui a plein de choses à dire. Puis en ce moment, là, ça lui ferait du bien de vivre quelque chose de valorisant. C'est pas bête comme idée. Mais comment tu vas la convaincre de passer à la télé? Bon, ça, c'est facile. C'est Antonia qu'il faut convaincre. Hmm? Plus froid que ça, on meurt. Tony, combien de temps ça va durer encore? Qu'est-ce qui te prend? Poussez, là. C'est qui, là-dedans? Quoi, ça? Les ponts. Mes livres, cette affaire. Hein? Je suppose que t'avais peur d'être en retard pour l'école. Hein, c'est ça. J'en sors. Mais là, je vais être en retard pour ma job, shit. Puis pour étudier, j'ai pas besoin de dope pis de gun. Ramasse les affaires, j'étais assez vu, là. Oh, oublie ça, c'est pas à toi qui en veux. Hey, je suis capable de m'arranger, tout ça, merci. Ils pensent qu'ils sont loin, ils pensent qu'ils sont intouchables. T'avais aucune raison de l'arrêter.
S'il décide de porter plainte, compte pas sur moi pour te sortir du trou. Tony. C'est pas comme ça qu'on va réussir à se parler. On se parlera quand t'auras signé. Mariette, donne-moi 2 minutes. Hey, Jasmine. Quoi? J'espère que t'as rien de privé à soir. Moi, puis une gang de filles, on veut t'amener au Go-Go Boy. Ah, je m'excuse. Ah, non, hey, tu peux pas refuser. On paye. Ben écoute, j'ai une game de volleyball à soir. Mais pourquoi tu viens pas? Il nous manque une coupe de joueurs. Volleyball? De quoi? Si au moins t'avais proposé des parties de cul. Regarde-nous pas de même. Il y en a qui aiment ça jouer avec autre chose que des pétounes. Peut-être une autre fois, OK? Oh mon Dieu, c'est ça le péché, ça, monsieur? Hey, non, t'as pas, on sait que t'as plein de diplômes, puis tu ne trouves tout épais, pas besoin d'en remettre. On soupe toujours ensemble? Mm-hmm. C'est elle la recrue? Oui. Moi, 2 minutes, je vais en changer. Les Noirs veulent organiser une manif contre la police. Ça a l'air qu'ils veulent faire ça le jour du concert de la chorale de la police dans deux bars. Ça, ça va parler. Fouille-moi ça. As-tu pensé à ce dont je t'ai parlé ce midi? Hey, ça a l'air qu'il y a des policiers qui s'entraînent à tirer sur des photos de Noirs au lieu de prendre une cible. Fouille-moi ça aussi. Alexis! Quoi? Pour la petite Chloé, tu pris une décision. Non, mais ça, c'est pas des nouvelles, ça. C'est du bénévolat. Hey, c'est moi qui fais l'entrevue. Ça va être un hit, tu le sais. OK, vois ce que ça donne si tu y tiens tant que ça. On va prendre un verre après. Profite-en. Oh oui, oui. Sont-tu belle? Daniel, t'es complètement fou! C'est un souvenir du temps où je t'en envoyais presque à tous les jours. Ben, je viens de juste d'arriver. Comment t'as su que j'étais rentrée? As-tu été voir dans la chambre? Non. Ben, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Daniel. Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, faut que je te laisse, là. Je suis avec la femme de ma vie. Ah, Daniel, ta folie m'a manqué. Toi, tu m'as manqué tout court. T'avais juste à pas te sauver. Tu sais pourquoi je suis parti. Oui, allô? Quittez mon père! T'auras rien de moi comme ça! C'est encore lui? Au poste, y a plus personne qui me parle parce que je veux pas signer leur pétition. Puis les Noirs m'en veulent parce que je suis dans la police. Pourquoi il a fallu que j'arrive au moment de l'affaire Casimir? Où c'est que tu vas, là? Je prends de l'air, j'ai besoin de réfléchir. Pas mieux l'un que l'autre. Ouais. Ah! Hey! Lâche-moi, si c'est elle! C'est elle, alors, il faut que t'arrêtes, c'est elle qui est faite! Ah ouais, petit! Toi d'elle, fais appel du transport. On peut pas les embarquer, toi et deux, dans la même charrette. Lâche-moi, si tu veux! Ouais, ok, ouais, ouais! Hey, lâche-moi! 10-07, 62-62, rue Briand.
Une seconde. Madame, calmez-vous, là. Il va falloir aller au poste. Pas de problème. Si vous signez de quoi que vous l'embarquez, moi, signez, moi, de suite. OK. Écoute, viens ici. Viens ici, viens t'asseoir avec moi. Écoute, j'ai... T'as pas le droit de faire ça. Hey! Vous faites du mal! Code 1007, là, au juste. Comment ça, le code 1007? Je vous ai pas demandé du renfort pour des policiers en danger? Pas en tout, j'ai demandé une voiture pour elle. Ça, c'est le code 613, pas 1007. Oh, shit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis trompée, je m'excuse. Ouais, ben c'est ce genre d'erreur qui met la vie des policiers en danger. La dissension, Jasmine, j'en veux pas dans mon équipe. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand on n'a pas confiance en quelqu'un, hein? C'est notre vie, c'est ta vie que tu mets en danger parce que tu sais pas si tu peux compter sur ton partner dans une situation dangereuse. Faudrait que tu montes aux autres de quel côté tu te tiens, hein, puis vite. Comment signer la pétition? Ah, peut-être. Pourquoi vous m'avez engagé si vous n'avez pas confiance? Parce que je suis la fille de Damien ou bien parce que politiquement vous avez besoin d'une noire? Ton père a probablement été le meilleur patron que j'ai eu dans la police. Mais c'était ici, c'est pas à cause de lui. T'étais recruté parce que t'es une fille qui a du caractère, de l'idéal. Maintenant, il faudrait peut-être que tu nous le prouves qu'on s'est pas trompé. Hein? C'est tout? Ouais. Jasmine, essaie donc de pas te mettre tout le département à dos en commençant. J'ai besoin d'une policière comme toi. Un diplôme pour comprendre que c'est le temps. Ça, du patience, c'est pas le temps. Ouais. Wow, là, t'en as jamais fait de gaffe, toi. T'en rappelles-tu quand ton partner s'est trouvé à l'hôpital parce que t'avais mal protégé ses arrières? Ouais. Sauf que moi, j'allais buster le gars, puis l'épine, il s'en est sorti. Elle, tant qu'on n'aura pas causé son petit crise de caractère, y a personne ici qui va se sentir safe. Pas vrai? T'as raison. Pas peur, là. Je suis juste venu pour te donner un conseil d'ami. Quand il y a une nouvelle recrue qui rentre dans le service, là, c'est pas grave si elle fait des erreurs, on l'accepte, ça. Il y a une affaire, par exemple, qu'on a bien de la misère avec, c'est qu'elle soit pas solidaire avec le reste de la gang. Fait qu'aide-nous donc à sauver Martin, puis mets donc ta petite signature sur le même papier que tout le monde, puis on n'en parlera plus, OK? Je suis une recrue, c'est vrai. Mais il n'y a rien que l'intérêt pour voir la réalité. Quand je t'écoute, là, je comprends pourquoi ça va tellement mal dans la police. Fais-tu exprès de me faire chier, toi? N'oublie pas une affaire, m'a dit une chose. Plus tu vas t'ostiner, plus ça va faire mal quand ça va casser. Arrête. Tu vas me faire peur. Une autre fois dans le vestiaire des femmes, puis t'as une plainte de harcèlement sur toi. Ah ouais! Ah ouais! Ah, c'est cool. Ouais. Salut, c'est moi, Daniel. Excuse-moi pour hier, j'aurais pas dû me choquer, mais...
j'ai peur pour toi. Appelle-moi, s'il vous plaît. Je t'embrasse, là, bye. Pas oublier, petite. Je vois pas trop loin. Je t'ai vu arriver et j'ai pensé que tu pourrais venir prendre l'apéro en bas à la maison. Non, merci, j'ai pas le goût, pas ce soir. Jasmine, je te présente Marie-Jolie Saint-Mars, ma fille, Jasmine. Salut. Enchantée. Est-ce que je peux te voir deux minutes, tout seul? Un petit problème au poste. Bien sûr, on revient tout de suite. Mort de maman, tout ce que tu cherches à faire, c'est la remplacer. Combien de temps tu vas garder celle-là? Cette fois, je suis en amour, Jasmine. Marie-Jolie, ça fait plusieurs semaines que je la vois. Elle est pas comme les autres. T'es ridicule. Non, mais vraiment, t'es ridicule. Avant de juger, c'est donc de la connaître. Si tu venais prendre l'apéro en bas, je suis certaine que tu... Allô? Oui, Marielle? Non, non, tu me déranges pas du tout. Ouais. OK, j'arrive. Bye. Désolée, j'ai des plans pour ce soir, mais tu peux peut-être embrasser ta nouvelle conquête pour moi. Ça doit faire 2 ans que Vincelette consulte Jennifer. Au début, il croyait pas tellement, mais Joseph puis moi, on a réussi à le convaincre. Jennifer nous a fait le portrait robot d'un violeur en série qu'on cherchait depuis une couple de mois. D'où ça vient, ce don de voyance-là? Merci. Ouf, aucune idée. J'ai déjà essayé de comprendre, mais il y a tellement beaucoup de théories que j'arrêtais de chercher. Je veux le même plus y penser. Mais j'ai rencontré Mariette. On se connaissait pas depuis longtemps, puis elle m'avait dit de faire attention. Le lendemain, dans un vol de banque, je me suis fait tirer. Et j'avais mis ma veste par balle. Depuis ça, elle fait rien sans m'en parler. Je n'en ris pas. Hein? Mais elle se trompe pas souvent, par exemple. Quelle vision t'as eue sur moi? I don't know how to say this, but ta vie est pas en danger, mais j'aime pas ce que je vois. Depuis quelques jours, il y a un homme qui te menace. Prends-le au sérieux. Mariette, le sais-tu? Non. Dis pas, s'il te plaît. Chloé, d'après toi, pourquoi il y a des guerres de gangs comme ça entre les Blancs et les Noirs à la polyvalente? Parce qu'ils sont tweets, puis qu'ils font comme leurs parents. Tu sais, à la polyvalente, là, les Blancs, ils savent même pas pourquoi ils haïssent les Noirs. Enlève les parents, là, puis il y aura plus de problème. Et puis toi, Chloé, est-ce que tu te considères comme une petite fille d'ici, une Québécoise? C'est sûr, je suis née ici. Oui, mais tes origines viennent d'ailleurs. Ailleurs, là, je suis jamais allée. Mais mes parents sont nés ici. C'est ça que je dis aux autres, mais bien, c'est pareil. Puis s'il y avait une chose que tu pouvais changer dans le monde, ce serait quoi? Je pense que je voudrais que tout le monde soit aveugle. Tu sais, comme ça, il n'y a personne qui verrait la différence, puis on arrêterait de se taper dessus. Comment tu réagis, Chloé, quand on dit des choses comme, par exemple, que les Noirs ont un quotient intellectuel inférieur à celui des Blancs? C'est un test de Blanc. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, il y a plusieurs formes d'intelligence, là. Il y a des formes beaucoup plus intuitives, mais que les Blancs, il y a quelque chose qui fait leur affaire, fait que... Qui t'a appris ça? Ma mère. Et ton plus grand rêve, Chloé, qu'est-ce que c'est? Avoir la peau blanche. Eh bien... Dire que moi, je passe mes étés au soleil pour avoir la peau plus noire. C'est pas ce que... Ben oui, Chloé. On a tout compris. Laisse-moi te dire qu'on est très fiers de t'avoir comme Québécoise. Merci tout le monde. Chouette. Ça va-tu? Quand est-ce que t'as pensé, ça? Dans une semaine, à peu près. T'avais pas le droit de poser ces questions-là! Excuse-moi, Chloé, c'est pas ça que je voulais. Je suis son amie.
J'aimerais vous parler de votre fille. Justement, c'est ma fille. Qu'est-ce que t'as fait d'affaire à l'amener à la télévision sans que je le sache, hein? Je veux seulement l'aider, vous aider. M'aider? Comment tu peux m'aider? Tu as ramené son père à la maison? Tu as demandé qu'il s'occupe de sa fille? Je sais même pas où c'est qu'il se cache. Ça fait un an que je suis seule. Je cherche du travail puis j'en trouve pas! J'ai des contacts, peut-être que je peux faire quelques coups de fil. Ben, c'est ça. Fais-moi rentrer dans la police. Hein? Ce serait peut-être une bonne idée. Avec votre caractère, vous seriez bien plus efficace que moi. Tabarnak. Fuck you, OK? D'accord. Si toi, tu veux pas t'en sortir, c'est tes affaires. Mais t'as pas d'affaire à embarquer ta fille là-dedans. Parce que c'est de ma faute, en plus. Hein? Écoute-moi bien. La face, là, je peux jamais la revoir. Puis profite pas pendant que je t'en dedans pour t'occuper de ma fille, OK? Je veux juste l'empêcher de se retrouver en prison comme toi. Puis je pensais que c'était ça que tu voulais pour ta fille. Je t'ai tenu. Je t'avais promis un témoignage choc, puis tu l'as. Mm-hmm. Ouais, quand j'ai visionné l'entrevue, je me suis dit que je devrais toujours te faire confiance. Effectivement. Si... On parlait d'autre chose maintenant. C'est vraiment parler que t'as en tête, là? Ah oui. Ça paraît pas. Oh. Faut jamais baiser avec son boss. Je sais que t'aimes le risque autant. Faire ça, je suis safe. Ben oui, mais moi, tu le sais pas. Je te fais confiance. Mais là... Non, je te l'ai dit, j'aime le goût du masque. S'il te plaît, Alexis. Mais là... Je vois ta mère, moi. Hein? Tu m'aimes, c'est effrayant. Qui t'a parlé d'amour? La nouvelle n'a pas encore été confirmée, mais il semble que le concert que doit donner la chorale de la police après-demain soit remis en question. La police crée des échauffourées entre les forces de l'ordre et les gangs de noirs à cause de l'affaire Casimir. On craint également la présence de Skinhead, qui ont laissé entendre qu'ils seraient sur place afin de faire régner l'ordre et protéger la police. Les représentants de la communauté haïtienne sont divisés, mais semblent croire qu'il serait préférable de reporter l'événement. T'es pas capable de penser à autre chose qu'à ta job? Non, je suis faite comme ça, c'est tout. T'aurais jamais dû rentrer dans la police, toi t'es pire qu'avant. Tu sais, dans la vie, il y a autre chose que juste la job, hein? Depuis que j'ai commencé, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est perdre ma crédibilité au poste et recevoir les menaces d'un noir. Vraiment comme début, non? Mais qu'est-ce que tu pensais? Changer la police d'un coup de baguette magique, régler les problèmes raciaux en claquant des doigts? Réveille! Ton père te l'a toujours dit. Juste de faire accepter que t'es une femme, policière, noire en plus, avec des diplômes universitaires. Juste ça! C'est le contrat d'une vie. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. En tout cas, pas raide comme ça. Pas question de reculer. Pourquoi on annulerait le concert? Pour une maudite gang de... Ouais, j'ai jamais dit qu'il fallait l'annuler. Ce que j'essaie de t'expliquer depuis tantôt, c'est qu'il faut profiter de la situation pour marquer des points. Pour mettre la communauté noire de notre bord. J'en ai parlé à tout le monde de la gang. Même Tony est d'accord. Toujours le dernier à le savoir, comme d'habitude. Je sais que tu refuseras pas. T'es un gars d'équipe, hein? La solidarité avant tout. Non, ouais, garoche-la dans l'idée. Tu vas voir, lui, il finit toujours par mettre tout le monde de son bord. La pétition va être présentée lundi.
C'est ta dernière chance. Si jamais, là, je vois que t'es en danger à cause de moi, je vais démissionner. T'as pas répondu à ma question. Ben voyons donc, Esprit, ouvrir le concert avec une chanson en créole, c'est pas la fin du monde. Ça va être un vrai hit. Tout le monde va embarquer là-dedans. Hey, la machine à danser, la machine à rouler, la machine à danser, la machine à rouler. OK, OK. Hey, tu vois pas que t'as peur de faire rire de toi, Boudria? Hein? Je te pensais plus courageux. Ouais? Alors, décide-toi, là, toute la chorale a dit oui, t'embarques ou t'embarques pas. OK, OK. Hey, regardez, parle-nous autres. C'est pas tous les policiers qui ont signé la pétition. J'ai appris de sources sûres que plusieurs policiers noirs ne voulaient pas la signer. Je peux même vous donner un nom. Jasmine Rochelot. C'est notre seule policière noire et ça a l'air que c'est une des plus farouches opposantes à la pétition. Mais si vous voulez mon avis, cette femme-là peut se le permettre. Parce que la direction, politiquement, n'est pas capable de la mettre dehors. J'ai entendu dire qu'elle avait pas mal de problèmes d'adaptation et qu'elle songerait à démissionner. Tenez, pas plus tard qu'en début de semaine, elle a fait une erreur de code qui aurait mis la vie de ses collègues en péril, je veux dire. On aurait pu, là. C'est ça. C'est cœur, hein, ça? Ça prend-tu un sens, tout le monde demain? Que je prenne pas le trou de cul qui a fait ça parce que je vais y organiser le portrait, mais... Le trou de cul est moins loin que tu penses, Boudria. OK, Boudria, dans mon bureau tout de suite. Ah ouais. OK. En tout cas, Jasmine, tu le sais, à Star, que t'as pas rien que des amis dans la police? Yes. Moi aussi, je pense que c'est lui. Hein. Tu sais qu'il est pas le seul ici à pouvoir te faire un coup de cochon de même. Les gars veulent te casser. Je te jure, je vais le trouver le responsable. Je m'en occupe personnellement. Boudria! Quoi? Penses-tu que c'est moi qui ai ce tout-là, petite? Come on, Joseph, tu me connais mieux que ça. Tu sais, quand j'ai quelque chose à dire, je passe pas par quelqu'un d'autre. Tu vas dire que j'en ai bavé plus que t'en baveras jamais, Jasmine. Le seul problème, c'est que tu vas aller trop vite. Je veux pas aller trop vite, je veux juste pas signer, c'est tout. Je suis rentré dans la police. Les gars ont tout fait me faire chier. Ils faisaient même laver leur char. Et j'ai tout fait ce qu'ils m'ont demandé avec le plus beau et le plus gros sourire. Puis laisse-moi dire que ça, ça leur faisait chier pas mal plus que moi. Les années ont passé, j'avais prouvé que je peux faire partie de la gang. Maintenant, je peux pas dire qu'ils m'aiment comme un chum, mais au moins ils me respectent. Il va falloir que tu passes par là, toi aussi. C'est ça, rentrer dans le moule et devenir lieutenant. Maudit que t'es bête. Je m'excuse. Il faudra que tu sois plus intelligente que Jasmine. Hein? Montre-leur que t'es une femme. Séduis-les, puis ils vont te laisser faire ta job et te respecter. Hmm? Ça va marcher, là? Tu l'as vu, l'entrevue de la petite, faut passer ça en nombre, c'est une bombe! Mais là, exagère pas quand même. J'ai pas dit que je le passerai jamais. Mais ça sera pas pour demain, dans une heure. Alexis? Ouais. Ça à cause de... Oh, non. Oh, il m'aide pas les affaires. Oh, je le crois pas. C'est tellement cheap. Alexis, si tu passes pas de l'entrevue de la petite juste à cause d'une histoire de cul demain, qui a mal tourné, oh, je te jure que je te... OK, hey, demain, là, c'est le show de la police dans le Vieux-Port, là, ça risque de barder ça. Va me fouiller ça, OK? Mais de... Hey, sais-tu quoi? Il paraît que les skins veulent protéger la police. J'en reviens pas, moi. Mais de... Hey, as-tu entendu le show de Morin après-midi à propos de ta chum police, là? Elle, je veux l'avoir sur le show. Ça, c'est une vraie bombe. Okay? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on se disait, là. Oui, allô? Hey, ton et ma main. Oui, oui, non, c'est parce que... Non, c'est quand même. De toute façon, peu importe où dans le monde où les Noirs ont pris le pouvoir, ça a toujours fini en 20 ans. Ben oui. Toi, tu regardes trop la télé et tu te renseignes pas assez. Oui. Les Noirs qui se révoltent, c'est peut-être parce qu'on les a trop écrasés, hein? En tout cas, ici, t'as peur d'être écrasé sur le pied. Ben, il n'y a pas de 20 ans non plus. Ouais, donne-leur le pouvoir. Oh, il n'y a pas de danger que ça arrive quand tu vas être ici, hein, toi? En tout cas, c'est pas une petite négresse qui va venir faire la loi. Non, tu peux pas focusser sur autre chose que sur Jasmine de ménage. Hey, elle est pas safe, elle pète plus haut que le trou. C'est la chouchou de mon oncle Vincelette, mm-hmm. Puis je l'ai. En bon, veux-tu bon, plus? Bon, 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 bon. Non, oui. Toi,
toi, ma grande noire, il faut que maman Aline te montre la vraie vie. Là, tu t'en viens au Google Boy avec moi et puis Mariette, là, puis tout de suite. Oh, je veux rien savoir, vous venez. Hé, non, ça va faire. Elle travaille de milieu d'homme, faut qu'elle voit comment ça marche. En commençant par la base. Non. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Assieds-toi. J'ai des papiers à te faire signer. Des papiers? Tiens. Non. Tu veux pas que je signe ça? C'est une pétition de la communauté noire pour Casimir contre Martin et les agissements de la police dans cette histoire. Tu es une noire, toi aussi, c'est sûr que tu dois signer et toute la communauté se mobilise. Tu viens là, tu comprends pas, je peux pas signer ça. C'est pas vrai. Ils t'ont déjà fait entrer dans le moule, Jasmine. Ma mère s'était pas trompée, hein. Elle sait plus jamais dire que t'es de notre bord à cette heure. Je suis du bord de personne. C'est faux. Par ton silence, tu as déjà choisi. De la police, ni la communauté noire, qui est mécontente, je devrais même dire exacerbée, par le racisme qui sévit, selon eux, à l'état de rage au sein des forces policières. Alors, c'est probablement ça qui explique la faible participation des citoyens à cet événement familial. Évidemment, il y a plusieurs policiers ici en service cet après-midi, mais l'élément principal de leur force, l'escouade tactique, se tient à l'abri des regards dans une rue voisine. Pas raciste, mais si on avait un premier ministre noir, chinois ou arabe, là, je suis pas sûr que je le prendrais. Moi non plus.
L'intégration, ça marche nulle part. Regarde ce qui se fait partout dans le monde. Ça pète de partout. Quand le monde reste donc chez eux, ça serait plus simple. Pourtant, les Noirs qui sont ici en ce moment se sentent chez eux. La plupart sont même nés ici. Le chez eux, c'est l'Afrique. Nous autres, les Blancs, là, on a réussi à s'en sortir puis devenir riches. Ben, qu'ils fassent donc pareil au lieu de venir nous voler. Hein? Okay. C'est fin de race, ça! Les Noirs, c'est nous qui les avons volés en premier. On les a massacrés, pillés, asservis. Maintenant qu'ils voudraient avoir leur juste part des richesses de la planète, on voudrait les fouler dans la misère puis garder tout pour nous autres. Ouais, mais écoutez, si les Noirs et tous les immigrants veulent pas quitter le pays, on peut quand même pas les forcer, là. On est dans un pays libre. Ben, c'est ça, oui. Qui partira pas de même, hein? On est trop bons pour eux autres. T'es jalouse, hein? Ils sortent de toi pour cracher l'oreille, puis toi, tu t'en pètes les bretelles. Maudit shit! Non, c'est en leur donnant pas le droit de la parole qu'ils deviennent violents. Comme s'ils avaient besoin de tout ça pour être violents. Qu'est-ce qu'il y a? Rien! Hey, donne-moi un break, là. De quoi t'as peur? Je reçois des téléphones anonymes. C'est les menaces d'un noir. T'es contente, là, tu le sais. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Me poses-tu cette question-là sérieusement? Hey, là, il faut que t'avertisses Vincelette. Guy, il peut enquêter puis te protéger discrètement. Me vois-tu demander la protection de la police parce qu'un noir me menace au téléphone? Avec Boudria puis les médias autour? C'est une joke, Mariette. Pas un mot là-dessus. Pas un mot. Un peu de chahut cet après-midi au show de la police. Comme vous le savez, j'étais là. Une foule formée en majeure partie de néo-québécois. Aussi quelques touristes qui ont sûrement trouvé la scène très exotique. Bref, est-ce à cause de la chanson d'ouverture que nos policiers ont interprétée en créole, s'il vous plaît? Les spectateurs ont peut-être été décontenancés, mais l'émeute appréhendée n'a pas eu lieu. Ce n'est, je pense, que partie remise. Daniel? Daniel? Je suis là. Je t'ai déjà dit que j'ai marre. Je fais attention! Non, ça! Ferme, t'es capable de tuer ou tout de suite. Signez pétition, hein, ma chère. Casimir, c'est ton aigle d'un coup. Et c'est Blanc-Yot qui assassine monsieur. Oh, ça! Nous balayons. Nous barrons 24 heures pour signer pétition. C'est dernier avertissement. J'ai appris qu'il y a des choses que tu aurais dû nous dire depuis longtemps. Non, 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 c'est pas Mariette, mon informateur. Ni Mademoiselle Cohen. C'est mon père. Daniel. C'est Daniel. Les susceptibilités personnelles, Rochelot, ça passe après le règlement. Quand un policier reçoit des menaces, c'est son devoir d'en informer ses supérieurs. Compris? Bon.
T'as une idée du gars qui te menace? Non. C'est lui qui t'a fait ça? Oui. On a peut-être un indice sérieux. Mais c'est pas un noir. Tu te trompes. Le blanc? Pourquoi un blanc voudrait cacher une appétition des noirs? Je suis presque certaine. Elle s'est pas trompée souvent. Laisse moi m'en occuper. Laissez-nous passer. 35-2. Envoyez-moi une coupe de char au parc Garnier. Laissez-nous passer. C'est Marc Coutelan. Quittez-me passer. Son frère, quittez l'aller. Pas question. Il vient de poignarder un gars chez Joko. La petite ville mène Angelo. Chercher. Attirer encore plus de troupes sur nous autres? Nous donner la réputation qu'on est capable d'en tuer d'autres pour une coupe de piastres, tout ça que vous voulez? Il m'avait mis dehors parce qu'il voulait plus me voir la face parce que je suis noir! Plus voir la face? Qu'est-ce que tu as fait avant? Rien, rien! J'ai piqué une peine de lait pour mon petit frère qui avait rien à manger! Oui, j'ai piqué une peine de lait, hein? Puis cet argent-là, il devait servir à qui? Pourquoi? Non. Avec moi, il n'y a pas une justice pour les Blancs, puis une autre pour les Noirs. Lâche-moi, ici! Lâche-moi! J'ai déjà remis mon rapport à Joseph. T'es vite à soir? Avant d'écrire ton rapport, ce serait mieux que tu saches ce que j'ai mis dans le mien. J'ai dit qu'on n'avait pas eu le choix, que les Noirs avaient commencé à bagarrer. Quoi? Tu le sais que c'est pas vrai. Si t'avais pas appelé les renforts, là, Boutria serait pas blessé, les autres Noirs seraient pas arrivés, plante ses meutes, il aurait rien fait. Écoute-moi bien deux minutes, Jasmine. OK, j'ai pesé sur le bouton rouge un petit peu trop vite. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te connais quasiment pas. C'est difficile de te faire confiance, t'es une recrue. Après ce que j'ai vu à soir, par exemple, t'as fait une maudite belle job. Je peux te faire confiance.
je peux pas. Si tu dis pas la même chose que moi, on va être dans le trou. Toi, peut-être plus que moi. Pense-y comme il faut. Fais-moi plus jamais ça. C'est bien ce matin. Drôle, hein? Tu vas faire que ta partenaire, quelque part, il y a des troubles. Je te touche, je me dépêcherai à changer d'équipe. Hey, donne-nous une chance, elle vient juste de commencer, là. Je te trouve bien courageux, Tony. Attention pas qu'elle déteigne sur toi. J'ai pas vu Daniel depuis quelques jours. Tu l'avais repu. Hey, c'est pas vrai ce qu'ils écrivent là-dedans. C'était pas une gang organisée. La plupart des jeunes avaient à peine 16 ans puis jouaient dans le parc. Quand tu lis des articles comme celui-là, tu comprends pourquoi les policiers prennent pas de risques. Je sais que les Noirs les haïssent. Hein? Mais si la police n'avait pas chargé, il n'y aurait pas eu d'émeute. Es-tu rendu jusqu'au bout? Il y a quelques lignes qui te concernent. Quoi? Je voulais pas que tu l'apprennes en arrivant au poste. Papa, c'est pas vrai. Hier soir, j'ai pas fait de gaffe. Je te crois. Bonne journée. Bye. Oui, allô? Salut, Antonia. Ça va? Quand? Je l'ouvre tout de suite. Non, non, je te rappelle. Et dans le journal de ce matin, on laissait sous-entendre que Jasmine Rochelot, notre grande policière noire, était probablement responsable de l'émeute d'hier. Et pour tout vous dire, je me suis renseigné et il semble que ce soit bel et bien vrai. Au lieu d'attendre les renforts, elle aurait agi seule, préférant la confrontation directe. Je me suis même laissé dire qu'au poste 35, tout le monde avait perdu confiance en elle. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi la direction s'obstine à la garder? C'est quand même pas parce qu'elle est noire qu'il faut fermer les yeux sur son incompétence juste pour un coup. Ma faute, je suis noir, moi. Antonia Valiquette, s'il vous plaît. Pauvre chouette, c'est plus dur qu'à penser à la police. On t'avait prévenu. Sans solidarité, on ne survit pas ici. À sa place, moi, je me recyclerais comme danseuse. La rencontre coupe de bonnes années devant elle. Toi, tant que t'as rien qui a le cul dans la tête, tu diras jamais rien d'intelligent. Hey! Ah. Attendez-vous que je parte vos chars? Qu'est-ce qui est arrivé au parc? T'as entendu Morin, toi? Oh, shit. Je vous crois pas en tout. Jas! J'ai retenu du temps à mon émission. Attends! Dis pas non tout de suite. T'as entendu comme moi ce que Morin a dit? Bon. Ben, il est temps que tu te défendes. T'auras juste à dire exactement ce que tu m'as raconté hier soir. T'es-tu folle? Tu sais très bien que je peux pas faire ça. Tu le sais. Jasmine, ma chérie, tu peux plus te laisser marcher sur les pieds comme ça, là. Je te l'avais dit que ce serait pas facile. Pas facile? Je travaille avec une gang d'hypocrites, merde! Je passe plus de temps à essayer de gagner leur confiance qu'à faire ma job. Si je dis la vérité, c'est Tony qui va écoper, puis ça, personne va me le pardonner au poste. Si je me ferme, j'ai tout le monde contre moi. Continue de faire non, ta job. Non, tu... non! Papa, je suis coincée de tous les côtés. C'est comme pour les pétitions. Que je signe l'une ou l'autre, ben, je me mets du monde à dos, fait que...
D'accord, Jasmine, lâche tout. Démissionne, c'est tout ce qui te reste à faire. Comme ça, tu vas leur donner raison à tous. Il n'y a pas de place pour une femme noire dans la police. Regarde comme elles sont fières de toi là-bas. C'est toi qui as fait paraître ça. Pour te remonter un peu le moral. Écoute, écoute. Peu importe ce qui arrivera, tu peux pas te laisser faire comme ça. Il faut que tu dises la vérité. Oui, mais si je dis ce qui est arrivé, t'imagines pas tous les Haïtiens qui vont aller lancer des briques au poste 35. Ils auront couru après. Je veux pas créer de guerre, moi, au contraire. Tu sais ce qu'on dit des femmes haïtiennes? Que ce sont des guerrières. Mais choisissent leurs armes selon l'occasion. Alors, bats-toi jusqu'au bout. Bats-toi, Jasmine. Chloé, j'ai besoin de toi. Veux-tu m'aider? Jasmine, ne fais pas ça. J'ai pas le choix. Eux autres me donnent pas le choix. Moi, je te l'interdis. Puis si je vous disais que j'ai accepté? Tu serais suspendu. Ah, ben ça, ça arrangerait pas vos relations avec la communauté noire. En fait, j'ai pas le choix, puis vous autres non plus. Qu'est-ce que tu leur as dit, hein? À Vincelet, rien. Mais vous me regarderez au show d'Antonia Valiquette ce soir. En plus, c'est sa chum qui va l'interviewer. Hostie. Parfait. Vous pétez à gueule, tous les deux, on n'entend plus parler d'elle. Hey, à tout en main pour nous blaster. T'es allé trop loin, cette maudite pétition-là aussi. Allô, Jasmine! Ça va? Oui. Regarde qui est là, la belle Chloé. Allô, Chloé! Pourquoi vous avez amené la petite? Elle fait l'émission avec moi ou il n'y en a pas d'émission? Tu m'avais dit que ta chum allait vider son sac, que la police allait en prendre pour son rhume. Hey, c'est pas une entrevue sociale avec des Noirs que je vais ici t'asseoir, le moins. Qu'est-ce que tu me caches, toi, Chris, encore? Rien! Je savais même pas que la petite allait être là. Rien dit. Je te jure! Ben, oui. Merci. Je peux pas croire que votre tête foutre en l'air comme ça. Alors qu'il est d'Amiens, on ne peut plus rien pour elle. Si ce qu'on m'a raconté est vrai, qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse d'autre? Allons voir ce qui va arriver. C'est bien que je contrôle pas ça. Elle s'en sortira pas. Elle est faite de partout. Oui, c'est correct. OK. OK. OK, Antonia, ma belle, là. Tout le monde est branché sur nous autres, là. Laisse faire la petite Chloé. Concentre-toi sur Jasmine. Manque pas ton coup. Génial.
En tout cas, mettons qu'elle vient de signer son arrêt de mort. Là, là, hein? C'est ce soir la grande finale du concours Le Bal des finissants avec les 6 finalistes en studio. Stéphane Rousseau et Rock Voisine seront de la fête. Le Point J ce soir, 22h30. Dans un moment, Nikita. Yeah.